Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, chérie. T'es très courageuse. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, jeune fille? On va à Minneapolis. C'est un accident? Je suis tombée. Papa! Tu sais, tôt ou tard, c'est le cas pour nous tous, n'est-ce pas, papa? Et j'ai failli te rattraper. J'aimerais faire un scanner pour être sûr qu'il n'y a pas de lésion interne. Papa va s'occuper de tout. Je vais attendre juste ici que tu remontes. Ça fait des heures que j'attends. Vous savez si ça va être encore long? Quel est son nom? Perry Monroe. Je ne vois aucune Perry Monroe. Il n'y a eu qu'un seul scanner ce matin à 9h. Ça veut dire quoi? Elles sont pas ici. C'est la liste de tous les patients de la journée. Je n'ai pas trouvé un seul Monroe. Je veux juste voir ma femme et ma fille. Vous avez des images de l'intérieur des urgences? Il n'y a pas de caméra dans les salles de traitement. Elles sont sous la caméra. On peut pas les voir sur ces chaises-là. Il n'y a pas un meilleur angle. Vous avez examiné ma fille. Vous avez soigné son bras. Le seul élément que j'ai, c'est votre parole qu'elles étaient bien ici. Vous croyez que je les ai inventées de toutes pièces? Pourquoi j'aurais pris l'écharpe de ma fille et pas elle? Je sais juste qu'il y a un truc qui tient pas debout. Je vous ai montré les photos. Ça peut être n'importe qui. On est aussi inquiet pour elle que vous l'êtes. Fouillez l'hôpital! Personne ne sera blessé. Ce mec est un taré, ça se voit. Baissez tous vos armes! Qu'est-ce que vous avez fait de ma famille? Qu'est-ce que vous avez fait de ma famille?